J'étais journaliste pendant 35 ans. J'ai dirigé le publicateur, la presse écrite régionale, le publicateur libre, et auparavant la Gazette de la Manche, dans les années 76 jusqu'à fin 79, en résidence à Avranches, puis pour le publicateur libre à Domfront, dans l'Orne, siège du journal, très vieux journal fondé en 1849. On a développé, retrouvé les bases anciennes du journal. C'était aussi une vie de travail imprimerie, c'était même un conservatoire de la typographie française. Et j'ai quitté ça au moment de la retraite. Je suis revenu à mes premières passions, l'écriture. C'est ce que j'allais dire, vous n'êtes pas que journaliste, vous êtes en même temps Oui, artiste, l'écriture. écrivain, Et sculpteur. j'étais Et sculpteur. sculpteur, j'étais au groupe des peintres de Mortain en 68-69, avec le même président, ça fait 60 ans qu'il est président, François Haussan. Et j'étais aux indépendants de Basse-Normandie, à Caen, donc, à l'hôtel d'Escoville, en 70-71. J'ai rencontré surtout Louis Derbray, le sculpteur qui a fait la première sculpture Place des Reflets à Neuilly, la terre, de façon succube, un homme et une femme dans l'autre sens, ça représentait une rotondité, donc la terre, l'original étant à Tokyo. Une sculpture monumentale de 4 mètres 7 de hauteur reprend, c'est l'homme anéanti, c'est ce qu'on nous vivons à l'instant, aux couleurs de l'Ukraine, le jaune et le bleu. Auparavant, j'avais l'homme au futur décomposé, la tête étant détachée et décentrée par rapport à l'axe, c'est notre futur aussi. Donc tout ça n'est pas nécessairement bien gai, mais comment être heureux quand on sait qu'il y a au moins un chien qui souffre dans le monde? Et aujourd'hui, c'est la guerre à notre porte. Nous sommes assis sur une bombe, comme disait le président Chirac, pour autre chose, on danse au bord du précipice. Voilà la réalité. Alors sur le plan technique, techniquement, c'est alors métal, uniquement métal, donc c'est fait pour être en extérieur, à la grêle, à l'eau, au vent. C'est vissé et pas soudé. Hein, c'est le principe. Vous dites vissé et pas soudé, ça veut dire que ça peut se démonter? Non, on ne va pas démonter. Elle est monobloc, mais je veux dire qu'il n'y a pas de point de soudure. Il y en a d'autres, j'en ai d'autres chez les Malherbes, au château de Foultort, à côté d'Evron. Il y a l'homme écran, il y a le Sisyphe et d'autres encore. Alors, vous n'êtes pas tout seul quand même pour faire ça, si? J'ai un assistant, Christian Lenné, un ancien du bâtiment, qui a l'habitude, il sait comment je fais, il m'aide parce que c'est quand même très difficile, c'est costaud, c'est lourd. C'est surtout, il faut que ça résiste à des vents de 180. Donc c'est des fers à béton, du fer à béton à l'intérieur, du fer très costaud, quoi. Là, vous êtes quand même dans un terrain que vous adorez, entre guillemets, Granville. Ah, oui, parce que d'abord c'est magnifique. Alors c'est dans le cadre d'une exposition du groupe des peintres de Mortain, où on vient tous les ans, on vient ici.